les abonnés, bonjour les amis, bonjour à ceux qui me suivent. Bon, nouvelle autorisation aujourd'hui. C'est bien, il y a de quoi faire aussi. On peut prendre une cinquantaine d'hectares. Pareil, c'est un peu loin de chez moi. Mais on va voir ce que ça donne. Donc voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de militaria. Ça c'est proche du front. On va voir ce qu'on sort. Alors on va faire ça ensemble. Je vous dis à tout à l'heure pour le premier son. À tout à l'heure les amis. Premier son les amis. Claque bien. Enfin, quoi que. Vous en retour de 58. On est à 10. Medium. Moi je l'ai creusé, c'est sorti. Il est à vue. Je vous fais voir de suite. Ah, c'est ici. On dirait l'objet qu'il mettait aux oreilles des vaches qui partaient à l'abattoir, je pense. À mon avis, ça doit être ça. Si quelqu'un a des infos, je suis preneur. Là, je m'y connais pas du tout. Bon, voilà pour ce premier son. Ça doit être de l'alu, je pense. Voilà. Allez, à tout à l'heure, les amis. Nouveau son, les amis. Medium, un 10-51 à peu près. Voilà, je vais vous faire voir. Bon, ça aussi, beaucoup. Sans surface, là, j'ai creusé. Elle est sortie directe. Une bille de shrapnel comme de par hasard. À vous sur son. C'est du plomb bien sûr. Voilà, allez, à tout à l'heure les amis. Nouveau son les amis. Medium. Il oscille beaucoup. Mais il sonne vers les 45. C'est la première fois que j'ai un son comme ça, aussi fixe. En indice. Voilà. Bon, on va voir ce que c'est. Ah, c'est bon, je le vois. Je sais pas si vous voyez. On dirait une monnaie. Ah non, c'est un bouton. Bizarre, j'en ai jamais vu comme ça. Il est cassé là. C'est un peu dommage parce que la caméra elle est fou. Ouais, je pense que c'est comme matière. Alors ça nettoyage. Ça me fait penser un peu à un tombac, bouton tombac. Mais la matière ne correspond pas. Bon, on va voir ça. Allez, à tout à l'heure, les amis. Un nouveau son, les amis. Un nouveau son, ouais, non. Vu, hein, un morceau de fusée d'obus. Voilà, bah c'est du bronze, ça sonnait super bien. Voilà, je vous montre. Là, ça se passe ici. Voilà, c'est ce qui allait au bout de l'obus. Normalement, c'est ça. Bon, c'est super lourd. Voilà pour cet objet. Bon, ça va partir dans les déchets. Voilà. Allez, à tout à l'heure, les amis. Nouveau son, les amis. Claque bien. Soit assez fixe aux alentours de... Un 10-60, on va dire. Il oscille un peu. Il doit avoir quelque chose en dessous. Donc voilà, c'est pas profond, c'est juste ouais, vers la surface. Voilà. Allez, je vous montre. Vous voyez, ça oscille beaucoup.
Voilà. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est pas juste là. C'est de la monnaie. Par contre, elle est fort oxydée. Je ne saurais pas du tout vous dire ce que c'est. Bon, je pense qu'on verra ça à la maison, hein, les amis. Voilà, allez, à tout à l'heure. Nouveau son, les amis. Un son bien médium. Un 10-46 fixe à peu près. On va dire, bah, j'ai creusé, c'est sorti. On va le découvrir ensemble. Voilà. C'est sorti, c'est ici. On va voir ce que c'est. C'est un plomb de sac, un plomb de scellé assez récent, je pense. On a beaucoup en ce moment des plombs de scellé. Voilà, bah ça c'est rustique, hein, par contre, assez basique comparé au rond. Voilà, assez récent, je pense. Voilà pour cette cible. Allez, à tout à l'heure, les amis. Bon, les amis, détection de ce soir terminée. Donc, pas grand chose à se mettre sous la dent. Pas beaucoup de cibles. Bah, pour ce matin, n'en parlons même pas. J'ai fait 8h, 11h. Aucune cible. Mais vraiment, quand je dis aucune, c'est aucune. Voilà, et pourtant, j'ai persévéré. J'ai fait tout le champ à fond. Mais rien du tout. Ce soir, c'est autre chose. J'ai fait une petite monnaie, je sais pas juste ce que c'est par contre, c'est léger, c'est pas en cuivre. J'ai fait une sorte, bah, si je peux appeler ça, une boucle d'oreille pour les bovins, avec le numéro dessus. Bah, des shrapnels, un bouton, alors je sais pas du tout, ça ressemble un peu à un tombac. Donc à voir son nettoyage, mais il semble que la matière ne correspond pas. Bon, tout ça reste à voir. Donc voilà pour ça. Je vais peut-être y retourner demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Et puis voilà. Mais sinon, ouais, bien crapahuté aujourd'hui. Donc voilà. Énormément de déchets, énormément de plomb dans un champ. C'était vraiment énorme, énorme, énorme. Donc voilà, j'ai mis l'agriculteur au courant qui avait beaucoup de plomb dedans. Et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, bah je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour le débrief. Voilà mes amis, à tout à l'heure. Bon, re les abonnés, voilà, retour de détection de ce soir. Pas grand chose à se mettre sous la dent, hein, comme je vous l'ai dit en fin de soirée. Ce matin, mort de chez mort, aucun son, à part que du déchet, que du plomb, énormément de plomb dans le champ. Voilà, et ce soir, quasiment pareil, quelques babioles. Donc je vous fais voir. Donc je sais pas comment vous allez appeler ça, si c'est une boucle d'oreille pour bovin, je sais pas du tout, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas le terme exact. Donc voilà, ensuite les restes d'une fusée d'obus, ça c'était à vue. Un petit bouton, je pense à un tombac. C'est dommage, il est cassé. Et quand la tâche derrière. Donc à voir en nettoyage ce que ça donne. Un plomb de scellé. Assez récent. Voilà, en ce moment, il y en a énormément. Et puis une petite monnaie. Je pense à une 5 centimes d'ancien franc. Voilà, j'ai légèrement lavé. On voit mal. Mais derrière, on voit la Marianne. Je passerai un petit coup de crayon André demain dessus. Et puis ce petit objet que j'ai pas filmé. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Ça a l'air d'être une résistance ou quelque chose comme ça. C'est du cuivre en tout cas. Et puis les habituels shrapnels.
Voilà, 3 cette fois, cette soirée. Voilà, je pensais qu'il y aurait plus de militarium, mais non. Et tant mieux. Et puis les, voilà, les habituels déchets. Donc il y a un peu de tout, hein, des bouchons. Cette marque, je ne connais pas. Je sais pas du tout d'où ça provient. Ouais, puis un peu de tout, hein, un peu de cuivre. Des petits éclats d'obus. Donc ça va partir à la poubelle. Et puis voilà, donc mes chers amis, mes chers abonnés, ceux qui me suivent, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle session vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao les abonnés!